le moment présent, le fameux moment présent. J'ai le goût d'aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui, son importance et surtout son importance au niveau de la photographie. Et je vous dirais que j'ai trois bonnes raisons d'aborder ce sujet-là aujourd'hui et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBelleFoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, ben n'hésitez surtout pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à faire connaître mes vidéos. Le moment présent. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est pour vous le moment présent? Moi, je vais peut-être oser à ce moment-là y aller de ma définition ou de mon concept, si vous voulez, du moment présent. En fait, c'est plus facile quasiment à décrire ce que ce n'est pas. Parce que actuellement, mon corps, il est ici, aux abords du fleuve Saint-Laurent, dans un magnifique paysage, des choses comme ça. Mon corps, il est là. Mon esprit, lui, parfois, il part ailleurs. Il s'en va ailleurs, avec ses préoccupations, avec son anxiété, avec son angoisse, avec le phénomène d'anticipation. Il est en train de penser à ce qui va se passer dans une heure. Il est en train de penser à peut-être ce qu'il va faire demain. Il va penser à toutes sortes de choses. Il va peut-être aussi être dans le passé, si vous voulez. Bref, notre esprit vagabonde, pérégrine. Mais souvent, à ce moment-là, n'est pas, si vous voulez, en synchronisation avec notre corps, qui, lui, est toujours dans le moment présent. Lui est toujours à un endroit. Lui est toujours là pour nous envoyer des informations par rapport à ce qu'on voit actuellement, des choses comme ça. Mais notre esprit n'est pas toujours là. Et ce concept-là, si vous voulez, du moment présent, bien, c'est le fait de tout simplement, comme le disait un peu Henri Cartier-Bresson, quand on fait de la photo, c'est aligné dans le même axe, la tête, l'œil et le cœur, bien, des fois, le moment présent, c'est d'essayer d'en arriver à ce que le corps et l'esprit soient là en même temps, soient vraiment connectés et soient conscients de ce qui est autour d'eux. Quand je dis « eux », à ce moment-là, c'est « et le corps et l'esprit », on est conscient à ce moment-là de ce qui est là immédiatement. Et ce concept-là de moment présent, bien, c'est intéressant parce que ça nous ramène là, juste là. Exactement où est-ce qu'on est présentement et ça peut faire un bien immense à ce moment-là. Pour moi, c'est ça la définition, en tous les cas, du moment présent. Je vous disais que j'ai trois raisons de vous parler de l'importance du moment présent pour faire de la photo. La première raison, c'est que vous allez trouver dans le descriptif de la vidéo une vidéo magnifique, encore une fois, sur le travail de Moriyama, d'Edo Moriyama, qui est le photographe japonais pour lequel j'ai beaucoup d'estime et que j'aime énormément. Dans cette vidéo-là, vous allez entendre parler Moriyama du moment présent d'une façon incroyable, extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette vidéo-là. Et dans la vidéo, vous allez voir que Moriyama est vraiment influencé par tous ses sens lorsqu'il fait de la photo dans les rues où il se retrouve. Il va même parler qu'à un moment donné, avec les odeurs qu'il perçoit, il sait que c'est le moment de faire de la photo. Et ça, c'est vraiment assez étonnant. Il faut vraiment que quelqu'un soit complètement allumé sur le moment présent, complètement allumé sur son environnement, l'environnement qu'il est en train de fréquenter, pour venir dire qu'il y a même les odeurs qui lui donnent de l'information pour lui dire que là, c'est le moment de faire de la photo. C'est vraiment une vidéo à découvrir. Première raison, donc, cette vidéo-là d'Edo Moriyama dans le descriptif de la vidéo. La deuxième raison qui m'amène à parler de l'importance du moment présent, bien, c'est la conjoncture. Ce sont les événements qu'on a connus au cours des dernières semaines, derniers mois, et peut-être même ceux qui sont à venir à ce moment-là, à l'automne, alors qu'on annonce des fois peut-être quelque chose qui va nous ramener dans ces eaux-là. Plus que jamais, c'est certain que moi, pour ma part, dans les dernières semaines, ce que j'ai vécu avec l'anxiété qui est venue avec ces périodes-là, cette turbulence-là, les inquiétudes qu'on a pu avoir, c'est certain qu'il fallait que l'acte photographique, justement, me soit bénéfique pour me ramener dans le moment présent. Parce que sinon, on a toutes les raisons du monde, si vous voulez, dans cette conjoncture-là, de partir, d'avoir nos préoccupations et notre esprit qui va aller beaucoup, beaucoup dans l'anticipation, dans des choses qui sont à venir. Donc, l'acte photographique
un peu comme je l'avais fait au niveau d'une vidéo dans laquelle j'ai parlé de la photo minimaliste, si vous voulez, pour retrouver un certain bien-être. Et vous allez retrouver donc le lien de la vidéo juste ici dans le haut à droite. Mais si vous voulez, l'acte photographique est un acte qui nous amène à devoir absolument converger vers le moment présent. Et je pense que c'est très important dans des périodes de turbulence qu'on peut vivre personnellement, avec nos proches, dans des périodes de turbulence, qu'on puisse justement se ramener à ce moment présent-là. L'acte photographique, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant à cet effet-là. Et la troisième raison qui m'est plus personnelle, si vous voulez, pour vous parler de l'importance du moment présent, bien, c'est pour vous dire qu'il y a environ 2 semaines, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo-ci, voilà 2 semaines à peu près, j'ai fait un infarctus. Oui, une attaque cardiaque. Alors, c'est quelque chose de particulier à vivre, c'est très spécial. Je vous fais grâce des détails, mais soit dit en passant, au niveau de la santé, je me porte bien et l'avenir s'annonce quand même intéressant, des ajustements que j'ai à faire. Mais effectivement, lorsqu'on vit ce genre d'événement-là personnel, bien, je vous dirais que tout par la suite, à ce moment-là, nous ramène à l'importance de la vie, bien sûr, mais l'importance du moment présent, de pleinement jouir de ce moment présent-là, si vous voulez. Alors, c'est pourquoi c'était la troisième raison pour laquelle je voulais vous en parler, pourquoi je voulais parler également de l'acte photographique qui est essentiel. Et dans cet esprit-là, je vous dirais que je vais conclure la vidéo avec... Vous savez, quand j'ai parlé du projet de confinement, que je vous disais l'importance de faire de la photo de votre intérieur, si vous voulez, pour essayer de... justement, de garder de l'inspiration photographique, bien, croyez-moi, j'ai été bien servi parce que pendant plusieurs jours, confiné dans ma chambre d'hôtel, confiné dans une chambre d'hôtel qui avait une si petite superficie que je pouvais faire 38 pas, c'était mon itinéraire, j'avais pas droit à des visites, j'avais pas de Wi-Fi, j'avais pas de lecture, alors pour garder mon équilibre mental, pour garder une certaine activité, si vous voulez, je me suis tourné vers ce que je vous avais suggéré, c'était donc de faire des photos de mon intérieur, de ce que je vivais à ce moment-là, des émotions que j'avais à ce moment-là, suite à mon infarctus. Alors, je vous laisse avec les photos que j'ai faites dans ce petit espace-là pour vous dire que malgré tout, malgré les circonstances que j'ai connues, il fallait que je préserve mon espace de créativité et vous allez voir ce que ça a donné. Qu'est-ce que vous entendez par votre moment présent? Est-ce que vous faites un lien avec l'acte de prendre des photos? J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.